fort du Gommier est le centre de tout le dispositif fortifié de ce secteur. Et il était totalement abandonné, il avait été déserté, enfin abandonné par l'armée au début du XXe siècle. Et du coup, personne ne s'en servait, il était squatté, il était abandonné, alors que c'est un des joyaux de cet espace-là. Cet espace exactement où se trouve le fort, qui a été le lieu de reconquête du territoire catalan lors de l'invasion des Espagnols. C'est passé en 1793 et 1794. L'action du général du Gommier a été de récupérer tout ce territoire pour le réannexer à la France. Donc c'est pas par hasard qu'il y a une douzaine de forts qui ont été construits ici. Ça bloquait le passage entre la France et les Pyrénées et évitait l'envahissement des deux côtés. À ce moment-là, il fallait quand même un certain nombre d'années, entre 10 et 40 ans, pour fabriquer un fort. Et quelques années plus tard, donc au début du 20e, c'était la guerre qui venait plutôt de la mer, c'est-à-dire exactement à l'opposé de la précédente attaque. Alors, restaurer l'ensemble des 12 forts, c'était impossible, mais de commencer par la restauration de d'entre eux, le plus important, a été un peu le point de départ. Donc ça a été une collaboration entre la municipalité de Collioure et l'association qui s'est montée pour la défense du fort. Mais au début, il faut imaginer que ce chantier, depuis 100 ans, était envahi d'arbres, de ronces, il était à deux doigts de disparaître sous terre. La restauration, elle a commencé il y a une quinzaine d'années, donc avec des petits bras de remparts, justement, tous ces bénévoles qui viennent du monde entier. On restaure le chantier dans un mode fourmi, on va dire. La première opération, ça a été de dégager le bâtiment et ensuite de le rendre lisible pour qu'ensuite les acteurs plus officiels, architectes des monuments historiques, patrimoine, etc., rentrent en jeu et là fassent un vrai projet de restauration. Ce qui se développe sur deux axes, plutôt un centre de recherche en art et sciences, parce qu'on s'aperçoit que l'architecture militaire est quand même très, très scientifique dans sa méthodologie. Et deuxième approche, c'est l'aspect des énergies renouvelables. Puisque à la pratique du fort, justement, on s'est demandé mais comment une garnison pouvait tenir ici. On s'aperçoit qu'il y a des cuves d'eau énormes avec un système de filtrage d'eau, par exemple. Donc s'appuyant là-dessus, on s'est dit on va faire un équilibre, une équation entre les anciens systèmes d'énergie renouvelables qui étaient déjà là depuis toujours et notre gestion actuelle de l'économie d'énergie. Un projet comme ça, d'abord il ne peut se faire que dans une démarche non commerciale. Et donc ça c'est un exemple, vous voyez, qui est complètement naturel, qui n'est pas forcé et les gens viennent volontairement. Donc ça c'est une espèce de magie du chantier que je trouve nulle part ailleurs.